Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Harvest Moon, l'art de la sérénité. Plus précisément, je crois, sur l'épisode numéro 7, c'est ça? Ouais, je crois. Et du coup, on est parti tout de suite. Je suis en pleine forme, j'espère que vous aussi. Let's go! Du coup, je viens de recharger le jeu. J'ai chopé quelques petites informations par-ci, par-là. Et aussi... Alors, attendez. Parce qu'il y a possibilité... Y, menu général. X, sac à dos. Mais moi, mes boutons sont inversés, apparemment. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus, hein. Je pense que j'ai eu un... Je dois avoir un souci d'émulateur. Ouais, non, c'est pas ça. Oui. Je pense que j'ai un problème d'émulateur, tout simplement. Et il va falloir que je... Il y a toujours, hein, vous en faites pas, il y a toujours des solutions, hein, ne vous en faites pas. Je trouverai bien comment arranger ça pour l'épisode suivant, donc on verra ça prochainement, ne vous en faites pas. En fait, ce que je voulais faire, c'était ouvrir mon sac à dos... et voir le tableau des relations. Parce que jusqu'au début, depuis le début, en fait, je cherche... je le cherche, mais je n'y arrive pas. Et en effet, je pense que j'ai des touches qui doivent être mal configurées. Donc j'irai voir ça. Hop, du coup, aujourd'hui, il pleut. Alors écoutez, je propose une petite journée ramassage de matériaux. Voilà. De la pêche aussi, peut-être. Non, je sais pas, je pense pas qu'on aura assez d'énergie. En tout cas, voilà, on va essayer d'avancer un petit peu. On va faire beaucoup plus de journées en un seul épisode. Toujours de 20 minutes, mais un petit peu plus rapidement. Alors, je tourne également cet épisode à la suite des autres. Donc, voilà. Je suis dans le move, hein. Ah, je peux lui parler, enfin, à cette belette. Ça sert pas à grand chose, hein, vous me direz, mais... Waouh, c'est une belette! Oh mon dieu! Ok, bon, d'accord. Et restez Keblo devant la belette. Hop, c'est pas grave. On s'en fiche un petit peu de la belette, parce que on... Ça m'étonnerait qu'on la choisisse pour animal de compagnie. Ça m'étonnerait. On va en priorité couper un arbre, parce que des rochers, on en a assez. Ah, cool! Ton expérience de la hache est passée au niveau 2. Trop génial. On va pouvoir charger l'outil. Regardez. Hop. Voilà. Bon, normalement, c'est censé être plus efficace qu'un coup normal. Bon. Peut-être que oui. Hop. Du coup, voilà. Il nous manquait un peu de bois. On va couper du bois. Voilà. Attention. Gros programme. Là. Hop là. Allez, faut se casser un jour, monsieur. Hein, faut... Allez. C'est compliqué, hein, de couper un arbre. Aussi dur que dans la réalité, j'ai l'impression. On va aussi couper le pied, parce que sinon, aucun arbre ne pourra repousser à cet emplacement. Et c'est embêtant. Ok. Voilà, c'est fait. Voilà, vous voyez, on a perdu toute notre énergie à faire un arbre. Donc voilà, c'est quand même important. Voilà. Donc on va aller voir Owen sur le passage. On va lui offrir un petit truc. Et puis on va aller à la cascade, se redonner de l'énergie, histoire de pêcher un petit peu, pour se faire toujours de l'argent, évidemment. Et ensuite, on ira se coucher et directement... On enchaînera une autre journée. Pas le temps. Faut y aller. Faut y aller à fond. Hop. Du coup, je dis bonjour à Owen. Ah, Owen n'est pas là. Ok, d'accord, très bien. Donc, d'accord. Très bien. Je me suis fait avoir sur ce coup-là. Bon. C'est pas grave. Du coup, je sais pas où il est, Owen. Je n'en sais rien du tout. Peut-être ici, non? T'es pas chez le forgeron? Ah, il est là. Bah voilà. Un coup de chance, ça roule, tu es matinal, le travail s'accumule au printemps.
Effectivement. Est-ce que tu aimes l'herbe? Tout le monde aime l'herbe. Merci. Eh ben, pas de souci. Voilà. On lui a offert une herbe, ça n'a pas servi à grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Hop là. Oh, j'ai. J'ai un petit chocolat à côté de moi, j'avais pas vu. J'adore le chocolat. Je suis gourmande. Je viens de voir ça à l'instant, ça m'a déconcentré. Excusez-moi. J'ai un petit Kinder de qui traîne sur mon bureau. Je sais pas ce qu'il fait là, je l'aurais englouti en temps normal. Ça me tente bien. Alors, on va déposer tout ça. Hop, on va. Oh, je vois. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, non, on va directement aller se recoucher. Non, parce que j'ai la flemme d'aller jusqu'à la cascade en fait. Juste pour pêcher. Bon, c'est pas très grave. Hop, on va se coucher directement. Voilà. On est à 5 minutes d'épisode, on a déjà bouclé une journée. Non, mais c'est normal, hein. C'est le début du jeu, je vous rassure, ce sera pas tout le temps comme ça. 240 et 120 en haut, donc 360 en tout. Ok. Nouvelle journée. Au bout de 5 minutes de jeu. Ok. Donc là, on aurait théoriquement assez d'argent pour s'acheter un poulailler. Mais le truc, c'est que j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu des infos par-ci, par-là, et qu'en fait, il vaudrait mieux améliorer notre maison avant d'acheter un poulailler. De toute façon, on ne pourrait pas avoir les animaux qui vont avec le poulailler, puisque l'accès au ranch est fermé. Même si je sais comment faire pour y aller. Mais on ne peut pas y aller actuellement. Donc du coup, il serait plus judicieux, faites-moi confiance, ne vous en faites pas, d'acheter plutôt une évolution, donc attendre d'avoir 3000 d'argent pour pouvoir s'acheter une amélioration de maison. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amélioration de la maison va nous apporter, on ne sait pas pourquoi, la possibilité de récupérer la deuxième partie de la tapisserie. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas amélioré votre maison au niveau 2, vous ne pourrez pas avoir la deuxième partie de la tapisserie. Donc autant vous dire que c'est un peu de l'arnaque. Donc du coup, si on réfléchit bien, il vaut mieux d'abord acheter l'évolution de la maison. Voilà, voilà la conclusion. Donc il va falloir qu'on mette 3000 gold de côté pour pouvoir se l'acheter tout simplement. Voilà. Ceci étant dit, on va repartir sur une nouvelle journée. Je finis d'arroser rapidement. On va peut-être aller s'acheter des graines d'ailleurs. Ouais, on va aller s'acheter des graines. Deux paquets de graines, je pense. Deux ou trois. Des navets, je ne sais pas. Ou des patates, un truc pas trop cher. Hop, je vais commencer déjà à arroser ces parties-là, ce sera fait. Hop, pour les prochaines graines qu'on va planter dans pas longtemps. Voilà. Ceci étant fait, on va aller acheter des graines. Ah, quoique. Quoique. Non, en fait. Enfin, je sais pas. On est dimanche dans le jeu, évidemment. Et le dimanche, il me semble que certains magasins sont fermés. J'espère que la ferme est ouverte. On va aller voir ça, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je regarde s'il y a possibilité. Oui, il y a possibilité de ramasser des petites choses. Voilà, un bois. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Et on ne va pas cracher dessus. Hop, une herbe verte, pardon. L'herbe verte. J'ai du problème à parler aujourd'hui, hein. L'herbe verte. Décidément. L'herbe verte. Voilà, j'arrête de prononcer ce mot, promis. On va l'offrir à Owen. Voilà, j'ai réussi à le dire. Yes. Alors. Ah, il y a Beau. Bah écoute, on va lui dire bonjour. Ah, bah il a un truc à nous dire en plus. On ne le dirait pas à sa façon d'agir, mais Luc a vraiment un bon fond. Je suis sûre qu'il culpabilise d'avoir coupé cette racine. La déesse des moissons, c'est sûrement qu'il ressent au fond de lui. Ok, c'était très étrange, mais c'est pas grave. Du coup. Là, il y a la gamine.
Owen, je ne sais pas s'il est déjà à l'intérieur. On va aller voir. On va aller voir tout de suite. Hop, parce que je vous rappelle que Owen est notre futur mari. Voilà. Dans le jeu, évidemment. Évidemment. Oui. Donc, prochain épisode, j'essaye de retrouver la touche pour ouvrir le. Pour ouvrir un petit peu comment ça s'appelle? Le menu qui nous donnera toutes les informations sur le jeu. C'est important. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas. Je galère. Je galère totalement. Hop, à trouver cette touche. Je pense tout simplement que c'est un souci. Enfin, un souci entre guillemets de mon émulateur. Il va falloir que juste que je reprogramme les touches. Donc, c'est pas grand-chose. Hop, on va peut-être acheter des pommes de terre. On va acheter 3 pommes de terre. Non. Acheter 3 pommes de... Non, non, non. Mon joystick s'emballe. Attention. Voilà. Merci beaucoup, madame. Hop. On se tire. On va les planter. Et puis, on va pêcher un petit coup. Voilà, pêcher, c'est important. Vous voyez? Pêcher, c'est la vie. Non, pas du tout. Pêcher, ça rapporte de l'argent dans le jeu, donc bon. Écoutez, on va pas cracher dessus. Est-ce que Owen est dans cette foutue grotte ou pas? Mine ganache, niveau 1. Owen! Owen! Es-tu là? Et non, il n'est pas là. Il se fout de nous. Ça fait un peu, tu sais, la fille qui court après le garçon qui est. S'il te plaît, parle-moi. Je t'aime. Ah bah tiens, il est là. Ça roule, tu es matinal. Tu as l'air d'aller bien aujourd'hui, c'est bien. D'accord. Ok. D'accord. Grosse conversation, hein, Owen. Cadeau. Merci. De rien. Non, Owen, il est bien, il est bien, il est sympa, il est viril, il a du gros muscle. Et ça, on aime. Non, surtout qu'en plus, les muscles. Je trouve. Enfin, les muscles, je sais pas ce que vous en pensez, voilà. On va parler un petit peu de tout aujourd'hui. Les muscles, je trouve ça bien. Pas forcément. Un homme n'a pas besoin d'avoir des muscles pour être viril. Voilà, je pense. C'est bien, c'est toujours bien, hein, les petits abdos, hein, ça fait toujours plaisir à voir. Mais après, bon, c'est pas non plus indispensable les muscles. Les muscles ne font pas tout. Il faut avoir le cerveau qui va avec. Eh oui. Et moi, je préfère le cerveau aux muscles, personnellement. Chacun son avis après. Hop. Ah, c'est très philosophique, hein, attention. Il ne faut pas juger les gens à leur apparence. Il faut voir au-delà. Comme disait le singe dans Le Roi Lion, évidemment. Alors, regarde au-delà de je sais plus quoi il lui disait. Je sais plus exactement ce qu'il dit. Comment il s'appelle aussi? Rafiki? Non, je sais plus. J'adore Le Roi Lion, mais je me souviens plus. Il faut regarder les gens au-delà de leur apparence et s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, évidemment que l'apparence y fait un petit peu aussi, hein. Bon, je suis pas totalement hypocrite non plus. Une truite mazou, cool. Faut être sincère, c'est sûr que l'apparence, ça fait un petit peu quand même, hein. Si l'apparence, la personne n'a pas un minimum, si vous n'êtes pas attiré un minimum par cette personne, bon. Faut un petit peu. Un petit peu des deux, voilà. Mais pas dans l'excès. Hop, tac. Hop là, tac, nickel, ok. Bah du coup, on va se faire une autre journée. Écoutez, aujourd'hui on enchaîne, hein. Pop, pop, pop. Hop, 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 ça dépote, hein. Tac. Aujourd'hui, dans cet épisode, on se sera fait 3 jours. Ouf. C'est parti, hein. Pas le temps, faut y aller, hein. Alors, on s'est fait 590 gold. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Une nouvelle journée, bah écoutez, on va se faire cette nouvelle journée aussi. Hop là, tac, nickel Gisèle, quartier de la rivière Caramel.
Je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, c'était avec Owen et les muscles. Non, mais les muscles, c'est bien. Mais c'est pas forcément. Ouais, c'est pas. Non, c'est pas forcément un critère. C'est toujours un petit bonus, évidemment. Mais. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je ne sais pas vous, hein, mais. Voilà, après. C'est une question de goût. Je ne choisis pas Owen dans les jeux, dans le jeu parce qu'il a des muscles, non. Parce que je le trouve plutôt charismatique. Puis il a l'air sympathique, il a une belle tête. Il a une bonne tête. C'est un bon gars, voilà. J'avais oublié de planter mes pommes de terre hier. Enfin, dans la journée d'avant. Bon, tant pis. C'est dommage. Hop, tac. Je vais prendre un peu d'eau. Ok. Il y a pas mal d'herbes encore, de mauvaises herbes là. J'aime pas ça. C'est surtout que ça ralentit le temps de pousse en fait des. Non. Des plants. Des plantations. Et ça, c'est pas super sympathique. Si jamais vous savez où récupérer la fossile, bah n'hésitez pas. Sinon, je trouverai par moi-même. Voilà. Peut-être que je vais peut-être même tourner encore un autre épisode à la suite. Aujourd'hui, je suis vraiment lancée, hein. J'étais frustrée de ne pas pouvoir vraiment vous tourner de vidéos pendant mes examens. J'étais vraiment frustrée, hein. J'étais pas bien. J'avais vraiment envie de vous faire des vidéos et j'ai pas aimé ne pas pouvoir en faire. Mais bon, après, c'était pour le travail, donc bon, c'est important. Tac, j'aimerais juste récupérer un petit peu d'eau, voilà. Hop là. Voilà. Donc pour le prochain épisode, ouais, je me renseignerai pour choper la faucille. Ah mince, j'ai pas chargé assez longtemps, c'est dommage. Pour choper la faucille et quoi d'autre? Ah oui, trouver les boutons là pour vous ouvrir le menu avec toutes les relations et tout et tout. Je ferai ça pour le prochain épisode. Ne vous en faites pas, j'y pense. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Du coup. On va monter, on va aller à la carrière, on va aller voir Owen, voilà, comme tous les matins. On va essayer de faire ça. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Ouais, ça m'avait vraiment frustré de pas pouvoir vous faire des vidéos, alors. Alors, du coup, maintenant que j'ai un peu de temps, je vais. Aujourd'hui, là, tac, j'enchaîne, hein, je vous en ai fait 4 d'affilée. Ça me plaît, j'espère que vous aussi, évidemment. J'espère que je fais pas ça pour rien. Hop là. N'hésitez pas à le dire en commentaire, en tout cas. Si ça vous plaît. Ou mettre un petit j'aime, hein. Faire péter les j'aime, hein. Oh non, déjà fatigué. Oh! Bouge tes fesses un petit peu. Voilà, tu vois quand tu veux. Ok, la pauvre, je suis en train de martyriser. Je l'épuise. Hop, tac. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à mettre dans la boîte? Ah oui. On est plein. La jacinthe. On va la vendre. On va garder l'herbe pour la vendre. La vendre. La donner à Owen. Voilà, on le drogue. On lui donne de l'herbe. Ok, alors. On va le droguer pour qu'il nous aime, pour le forcer à nous aimer. Non, ne faites pas ça. Surtout, dans la vraie vie, ne faites pas ça. N'offrez pas de l'herbe à la personne que vous aimez. C'est pas bien. Ah bah tiens, regardez. Quand on parle de loup, on en voit la queue. Ça roule, tu es matinal. Quand il fait beau, je me sens super bien. Alors, les conversations d'Owen, voilà, sont super simples, hein. Il fait beau. Ouh. Merci. Eh bien, c'est cadeau. Ok, bon. Et ben aujourd'hui, c'est vraiment un épisode où on a carburé. Oula, j'ai sifflé dans le micro. Excusez-moi. J'ai pas fait exprès sortie tout seul. Voilà, bon. On va rentrer à la maison. J'ai pas assez d'énergie pour pêcher. Ouais. Je pense qu'on va se laisser là. Dans cet épisode, voilà, on aura
On aura fait quelques journées, on aura surtout récupéré des golds en fait. De l'argent. Voilà, c'était l'épisode un petit peu farm. Voilà, on a récupéré des ressources, on récupéré de l'argent. Voilà, c'était l'épisode tranquillou. Où on a bien carburé quand même, on a fait 3 jours. 3 jours en un épisode, c'est quand même pas mal. Alors, et on a gagné 510, et du coup, prochain épisode, du coup on va se laisser ici. Prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer? On a 3385 gold. L'évolution de la ferme coûte 3000 gold. Eh bien écoutez, épisode prochain, on achète l'évolution de la maison. Voilà, ça c'est dit. Voilà, je le dis, je vous le dis, je vous le promets. Voilà, donc prochain épisode, on aura quelques petits trucs à faire. Du coup, bah, je vais vous laisser ici tout simplement. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Faites péter les j'aime, comme d'habitude, vous êtes super, ne changez pas. Moi, je vais vous dire rendez-vous au prochain épisode. Bye bye!